Eric, je donne la parole à Eric pour commencer. Merci Anchika, bonjour à toutes et à tous. Peut-être avant de commencer, est-ce que c'est possible de savoir quelles sont les régions qui sont autour de la table? Je vois CPR, je vois Lyon. Normandie. On a qui d'autre? Bourgogne-Franche-Comté, Fanny Barbier. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on a le sud, le grand sud? Non. Non. Et le nord non plus? Pas pour l'instant. Ok, donc on est à quatre régions. Bon, bonjour à tous à nouveau. Donc, je suis le directeur de Business France en Inde. Et ravi d'avoir cet échange aujourd'hui avec vous. Donc là, je vois la slide qui présente l'équipe Business France. Donc moi, je suis basé à Delhi. J'ai une adjointe qui est à Mumbai, qui s'appelle Anne Desmond, qui gère le pôle art de vivre, santé et la partie invest avec deux chargées d'affaires, Anshika. Donc, qui est à Delhi avec moi et Ludivine qui est avec Anne à Mumbai, sachant que nous avons des bureaux également à Bangalore et Chennai et que tous les collaborateurs de Business France en Inde, c'est à peu près 25 personnes sur 4 bureaux, ont des objectifs et des leads à faire dans l'invest à chaque fois qu'ils rencontrent des groupes indiens. Hein, donc, la grosse majorité des équipes est dédiée à l'export. Mais on leur demande à chacun de faire remonter aux deux chargés d'affaires des leads potentiels et on le fait dans pas mal de secteurs, dans l'aéronautique, dans la santé. Quand un collaborateur export voit un groupe indien ou participe à un salon professionnel en Inde, il essaie de ramener un peu de business sur la partie invest. Voilà, ça c'est un peu l'organisation et on a un desk à Paris qui est géré par Aurore qui s'occupe de toute l'Asie qui est le desk Inde avec une mobilisation de l'ambassadeur sur ces sujets d'attractivité et aussi des consuls. On a des consuls dans quatre villes indiennes, donc les mêmes que nous, plus Calcutta. Qui sont assez intéressés aussi par les sujets d'abord de diplomatie économique, mais aussi d'attractivité, qui rencontrent régulièrement des patrons indiens et qui peuvent être aussi des relais à la fois pour faire la promotion d'une région, ce qu'ils font, mais aussi pour vendre et faire la promotion du site France. Voilà, donc la slide suivante. C'était l'équipe. Donc, je reviens un peu sur l'économie indienne, donc qui est devenue le pays le plus peuplé au monde, dépassant la Chine l'an dernier. Alors, même si, entendu certains commentaires, le recenser 1,4 milliard d'Indiens, je pense que c'est un exercice assez complexe. Voilà, c'est plutôt des simulations sur un nombre d'évolutions de la démographie qui font que on arrive à un chiffre supérieur à la Chine qui est plutôt en décroissance alors que l'Inde a une natalité assez dynamique. C'est une population qui est très jeune. Oui, la moyenne est à 25 ans. C'est devenu la cinquième puissance mondiale, donc ils nous étaient passés devant il y a 3 ans maintenant. Ils ont pris la cinquième place, ils ont ravi la cinquième place à leur ancien pays colonisateur, le Royaume-Uni, et donc ils sont cinquième et ils ont pour intention de devenir la troisième économie mondiale. Donc après la Chine et les États-Unis, à horizon 2030. Voilà, c'est une des croissances les plus rapides au monde. C'est des chiffres qui nous font rêver, nous, Français, quand on connaît les chiffres de la France. Donc il y a une croissance en moyenne de 7% sur les années précédentes et sur les prochaines années. Donc une croissance très dynamique parmi les plus élevées au monde.
un nombre assez important, et ça peut être intéressant de milliardaires, surtout après Covid. On a vu ce nombre exploser, en particulier à Mumbai. Je crois que c'est une des villes qui a le plus de milliardaires, alors qu'ils sont souvent à la tête de conglomérats familiaux multisectoriels, le plus connu étant celui de Mukesh Ambani, qui fait beaucoup parler de lui actuellement parce qu'il dépense beaucoup d'argent pour marier son fils, et qui sont des cibles potentielles, alors plus ou moins difficiles à atteindre, pour essayer de leur faire investir ailleurs qu'en Inde. Voilà, quand on a 7% de croissance sur son marché interne, on investit quand même fortement dans son pays, ce qui est assez logique, mais on voit quand même que ces milliardaires ont aussi des bases à la fois familiales et professionnelles, essentiellement au UK et à Dubaï, là où on retrouve, alors ce n'est pas de la diaspora, c'est vraiment des Indiens d'Inde qui ont aussi un pied-à-terre en général assez conséquent. On connaît plusieurs familles dans ce cas-là qui sont à Londres ou à Dubaï et qu'on peut approcher aussi via Londres et Dubaï. Voilà, un champion du numérique et de la tech avec énormément de licornes, un écosystème de startups extrêmement dynamique et on commence à voir des startups qui s'intéressent aussi à la France. On a eu dans notre bilan de l'an dernier, je pense qu'Anchika en reparlera ou Ludivine, une startup de Bangalore dans l'agroalimentaire, qui n'est pas un secteur où les Indiens sont très présents en France, qui s'est pourtant installé en France. Voilà, il cumule plusieurs leads mondiaux dans pas mal de secteurs. Ils sont connus comme étant la pharmacie du monde, mais ce sont des fabricants de génériques, pas de spécialités, comme le back-office du monde. C'est du traitement informatique et du service informatique, souvent bancaire, mais pas uniquement, qui sont développés, comme le fait Capgemini, qui a quasiment 200 000 employés en Inde, mais qui n'a pas un seul client indien. Et on commence à voir, parce que c'est quand même un pays qui cherche de la technologie, donc qui s'intéresse beaucoup à la France et à l'Europe et aux États-Unis pour acquérir des technologies. Soit avec des partenariats industriels pour se développer en Inde sur du Make in India, avec des technologies étrangères et appliquées à l'industrie indienne. C'est ce qu'ils sont en train de faire sur les panneaux solaires, sur les composants électroniques, sur la téléphonie, et notamment avec Apple, où ils sont en train de se créer cette industrie-là, sans forcément avoir la R&D associée, mais on voit quand même de plus en plus d'intérêt des Indiens pour se développer ou faire des acquisitions dans le domaine dans des centres de R&D un peu partout dans le monde, où c'est le cas de la pharmacie, et ça a été le cas l'an dernier avec la France, acquérir des sociétés qui ont des spécialités pour compléter un peu leur portefeuille, qui est souvent, comme je disais, surtout dans du générique. Voilà, donc ça reste un partenaire, un géant asiatique, hein, qui est vraiment à mettre au même niveau que la Chine dans les stratégies internationales. C'est d'ailleurs ce que commencent à faire certaines régions françaises, puisqu'on a CPR qui est autour de la table. Donc on est ravis que CPR vienne d'ouvrir son bureau à Mumbai. Je pense que c'est un bon signe. Et on aimerait bien d'ailleurs que d'autres régions puissent considérer l'Inde de manière un peu plus prioritaire, comme vient de le faire la région Île-de-France suite à la visite de leur présidente de région qu'on a accompagnée avec les équipes ici en début d'année. Voilà, donc pourquoi l'Inde. Alors je ne sais pas quelle est la slide suivante. Bon, on ne va pas revenir sur les chiffres, il y en a beaucoup dans cette slide. Ce qu'il faut savoir, c'est que la France est quand même très bien représentée en Inde. On a à peu près 800 sociétés françaises ici installées. Il y a beaucoup moins d'Indiens en France, hein, un peu moins de 200 entreprises indiennes en France, mais on voit un intérêt croissant des Indiens pour le site France.
Encore une fois, surtout sur des acquisitions un peu loin sur du greenfield. Voilà, je ne vais pas commenter tous ces chiffres sur la croissance, le PIB par habitant, etc. C'est des chiffres, je crois, qu'on a repris du service économique. Mais les secteurs qui marchent bien dans les deux sens, c'est forcément l'automobile et la filière mobilité électrique en particulier. L'aéronautique, forcément, c'est un des premiers clients d'Airbus dans le monde et on voit des intérêts indiens qui regardent un peu la France et souvent la supply chain d'Airbus pour voir comment s'implanter en France. On a eu le cas l'an dernier. Et après tout ce qui est bien d'équipement, textile aussi. Il faut savoir qu'on leur achète énormément de textiles et il y a beaucoup de groupes indiens qui ont beaucoup d'argent dans ce secteur et qui peuvent être aussi potentiellement des investisseurs en France sur des marques ou des reprises de marques dans le prêt-à-porter. Voilà, slide suivante. Alors, qu'est-ce qu'on dit là? Bon, les groupes indiens de premier plan, voilà, certains sont implantés en France, pas tous. Adani est en train de s'implanter, je crois, à Calais, hein, si j'ai bien compris, sur une filiale dans le domaine du duty free. Reliance, c'est donc le groupe de Mukesh Ambani, c'est un des plus grands conglomérats indiens, mais il n'est pas en France. Voilà, Tata est bien implanté en France, Mahindra aussi, Lupin vient de s'implanter. D'accord, monsieur, Voilà, dame, Madame pardon? Pickaft, Voilà, et vous voyez, on a mis des chiffres intéressants. Deuxième producteur mondial d'acier, on sollicite souvent les Indiens pour des reprises d'entreprises en difficulté, notamment dans le secteur métallurgie, dérivés ferroviaires, etc. Là, ça peut être des investisseurs intéressants. Voilà, ils sont aussi très forts dans l'agroalimentaire. Ils transforment peu. On ne les voit pas beaucoup à l'étranger sur des investissements dans le domaine agroalimentaire. En revanche, on les voit beaucoup, comme je disais, sur le secteur de la tech. Tous les gros de la tech indienne sont en France et dans le domaine du médicament. Voilà. Bon, ça, c'est moi qui le dis ou je ne sais plus. Quand vous voulez, bien, sinon je peux continuer. Ok, bon, je vais peut-être juste, je vais te laisser te passer le relais, Anchika. Juste vous dire, donc, on est dans un moment depuis 2023 assez intéressant et même plus qu'intéressant dans cette relation bilatérale entre la France et l'Inde. On a un partenariat stratégique qui est très fort avec l'Inde. On a une relation personnelle du président Macron avec le Premier ministre Modi qui est très forte aussi. Depuis le début de l'année, on a quand même, en 3 mois, on a vu Valérie Pécresse et une très belle délégation d'Île-de-France pendant plus d'une semaine en Inde. Ensuite, le président Macron et suivi par le président du Sénat avec une très belle délégation de sénateurs. Donc, c'est pour vous montrer l'intensité de la relation. Et je pense que voilà, il y a quand même un changement de point de vue, pas uniquement au niveau de l'Île-de-France, mais d'autres régions qui étaient déjà très impliquées en Chine, qui se disent il y a peut-être un autre partenaire stratégique à avoir dans l'Indo-Pacifique. Et l'Inde peut être, vu le tissu entrepreneurial indien, un partenaire intéressant à courtiser pour l'attirer dans vos régions. Voilà, peut-être Anchika. Enfin, c'était une introduction un peu macro. Voilà, peut-être un mot sur les régions qu'on voit le plus en dehors de l'Île-de-France et les Hauts-de-France, qui sont très engagés très régulièrement avec nous, et le sud avec ses infras, qui sont aussi assez actifs finalement sur l'Inde et de manière régulière.
Voilà. Il y a des régions qu'on aimerait voir plus souvent et qui ont des intérêts dans les deux sens d'ailleurs pour les agences qui aussi soutiennent l'export. On peut monter de belles missions, le fait, et c'est un peu l'approche qu'a eue l'Île-de-France en associant aussi le tourisme, le volet attractivité universitaire, voire le cinéma, pour qu'il s'ajoute à l'attractivité économique pour essayer de faire venir des Indiens de profils différents dans vos régions et pas uniquement sur de l'investissement économique. Voilà, Anchika. OK, merci beaucoup, Eric. Bonjour à toutes et tous. Donc, je passe à la slide suivante. Ici, on a essayé de vous présenter le SWOT analysis qu'on avait fait pour le marché indien. Donc, je vais juste présenter, commençons avec les forces. Donc, le premier est un dividende démographique. L'Inde possède une population jeune et dynamique, ce qui lui confère un avantage significatif en termes de main-d'œuvre et de potentiel de consommation. Et ce dividende démographique peut stimuler la croissance économique et l'innovation dans divers secteurs. Ensuite, la classe moyenne est en forte croissance en Inde aujourd'hui. L'émergence d'une large base de consommation de classe moyenne présente une énorme opportunité pour des secteurs tels que le vente en commerce, l'e-commerce, vente au détail et les biens de consommation. La classe moyenne en expansion contribue à l'augmentation de la consommation intérieure ainsi qu'à l'international. Comme Eric, vous avez déjà dit qu'on est leader mondial aujourd'hui dans le secteur de l'IT et aussi très fort dans le secteur agriculture et la santé aussi s'augmente maintenant. Ça devient un secteur important comme pour la France, pour l'Inde ainsi. Donc, aujourd'hui, l'Inde est devenue un pays incontournable au niveau mondial en ce qui concerne les TIC, le secteur TIC. Et ce secteur peut continuer à propulser leur croissance économique, à attirer les investissements étrangers et favoriser l'innovation. En plus, on voit aussi une belle présence des entreprises indiennes en France dans ce secteur et tous les géants, notamment Wipro, TCS, Infosys, Tech Mahindra sont déjà présentes en France depuis des années. Et en ce qui concerne l'agriculture, l'Inde est l'un des plus grands producteurs agricoles au monde, offrant un potentiel important de croissance et de diversification. La modernisation et les progrès technologiques dans l'agriculture peuvent stimuler la productivité, améliorer les revenus et ainsi offrir des opportunités aux entreprises étrangères d'apporter leur technologie dans le secteur agriculture en Inde et faire des développements ici dans le marché indien. Ensuite, si je parle d'emplacement stratégique géographique de l'Inde, ça s'est situé au carrefour des routes commerciales mondiales offrant un accès principal au marché d'Asie, d'Europe et d'Afrique. Et cet emplacement stratégique peut améliorer la compétitivité de l'Inde en tant que destination mondiale du commerce et des investissements. Résilience économique. L'Inde continue de faire preuve de résilience dans un contexte mondial difficile, selon le dernier rapport de Banque mondiale, et avec un PIB, comme déjà on a parlé, de 7% qui reste assez élevé. Maintenant, je parle aux faiblesses du marché indien. Donc, on a un problème d'infrastructure. L'Inde est confrontée à d'importants défis en matière de développement des infrastructures, notamment des réseaux de transport inadéquats, des pénuries d'électricité et un accès limité à des soins de santé ainsi d'éducation de qualité. Donc, il est essentiel aujourd'hui de remédier à ces faiblesses pour soutenir une croissance économique durable. Ensuite, déficit de compétences. Bien que l'Inde possède une vaste main-d'œuvre, il existe un déficit de compétences et d'expertise requises pour les industries émergentes surtout. Et combler cet écart grâce à des programmes d'éducation et de formation professionnelle est crucial pour répondre aux exigences d'une économie en évolution rapide. Économie informelle, donc ça c'est aussi une partie importante de l'économie indienne qui fonctionne dans le secteur informel et caractérisée par une faible productivité.
une sécurité d'emploi limitée et une manque de mesures de sécurité sociale. La formalisation de l'économie informelle est devenue essentielle aujourd'hui. Ensuite, on voit aussi qu'il y a des disparités dans les revenus en Inde. Et en fait, la concentration des richesses entre les mains de quelqu'un entrave une croissance équitable et entrave les efforts de réduction de la pauvreté en Inde. Ensuite, préoccupation environnementale. L'Inde est confrontée à des graves défis environnementaux, notamment la pollution de l'air, la quantité d'eau et le changement climatique. Ces problèmes peuvent affecter la croissance économique, aussi la santé publique et la stabilité sociale et nécessitent une attention et action urgente. Ensuite, bureaucratie. Comme dans la plupart des pays dans le monde, la bureaucratie n'est pas simple à gérer en Inde également. Et maintenant, je passe aux opportunités en Inde. Donc, développement des infrastructures. L'accent mis par le gouvernement aujourd'hui dans le secteur de l'infrastructure, ils ont lancé des projets comme Bharatmala et les Smart Cities Project. Et c'est bon à savoir qu'il y a aussi des entreprises françaises qui se positionnent à ces projets-là et contribuent au développement d'infrastructures en Inde. Ensuite, forte digitalisation. La révolution numérique en Inde a le potentiel de transformer des divers secteurs, notamment les e-commerce, les technologies financières et les paiements numériques. La pénétration croissante d'Internet, l'adoption des smartphones et des politiques gouvernementales favorables peuvent stimuler l'innovation, l'entrepreneuriat et une croissance inclusive. Alternative à la Chine. Eric, vous avez déjà expliqué dans le slide précédent qu'aujourd'hui, l'Inde est considérée comme un pays comme une alternative à la Chine et il y a un fort potentiel. Ici, il y a une opportunité qui est assez forte pour l'Inde pour développer dans ce domaine. Ensuite, India, Middle East, Europe Trade Corridor. Donc, ça, c'est un corridor qui a été annoncé à l'occasion du G20 à New Delhi en septembre dernier, qui a été en fait signé par 7 pays qui ont signé ça et 7 trade agreements de six corridors qui. Qu'ils ont annoncé, va certainement booster le trade et le business entre les 7 pays qui ont signé cette convention. Ensuite, on a déjà parlé qu'aujourd'hui, les secteurs comme l'aéronautique, spatiale, tech et santé, ça reste des secteurs importants. En Inde, il y a des opportunités et ils ont une forte croissance. Et passons aux menaces maintenant du marché indien. Donc, l'Inde reste sensible aux conditions géopolitiques et pourrait avoir un impact sur la croissance et la stabilité économique. Donc, ça reste un secteur, un point important à gérer. Ensuite, inflation, les défis budgétaires. L'Inde est confrontée à des défis en ce qui concerne du budget et ça peut affecter la capacité du gouvernement à investir dans les infrastructures, l'éducation, les soins de santé et d'autres domaines nécessaires à une croissance économique durable. Passons au point suivant, environnement réglementaire. Donc, des réglementations sont assez complexes ici, des formalités administratives et des politiques incohérentes. Peuvent poser des défis aux entreprises et affecter la facilité de faire des affaires. La rationalisation des réglementations et l'amélioration de la facilité de faire des affaires peuvent attirer davantage d'investissements et stimuler la croissance économique. Migration des compétences aussi, ça, c'est un grand problème que l'Inde fait face aujourd'hui. Ou des professionnels hautement qualifiés migrent vers d'autres pays à la recherche de meilleures opportunités. Et cette migration peut épuiser le vivier de talents et gêner le développement des secteurs clés, notamment l'informatique, la santé, la R&D. Et il est aussi également important aujourd'hui d'assurer un emploi pour une large population rurale et moins bien éduquée. Donc, ça,
Ici, on vous présente, on vous donne quelques informations clés pour le marché indien. Et maintenant, je passe à la slide suivante, où on va parler du bilan Inde des investissements de la zone en France en 2023. Donc, nous avons l'année dernière accompagné 35 projets d'investissement. Et parmi ces 35 projets, il y a 17 projets aboutis. Et même parmi ces 17 projets, il y a 11 projets qui ont été identifiés par le Bureau Business France en Inde, par notre équipe. Donc, parmi les 17 projets aboutis, les 11 projets ont été identifiés par notre bureau, qui a permis la création de 309 emplois, plus 20% par rapport à l'année dernière. Et ensuite, et si je parle de stock FDI, on est aujourd'hui à 194 millions d'euros. Ensuite, ici, j'ai essayé de vous montrer les top 3 secteurs d'investissement dans lesquels nous avons accueilli les investissements l'année dernière. Donc, le premier, c'est médicaments et biotechnologie, avec 3 projets aboutis. 2 projets dans la prestation informatique dans le secteur TIC et 2 dans le secteur aéronautique et spatial. Et les top 3 régions où on a vu les investissements indiens sont partis. Donc, le premier, c'est Île-de-France avec 5 projets. Ensuite, Aura, Auvergne-Rhône-Alpes avec 5 projets également. Et suivi par Frondes avec 2 projets. Et si on parle de typologie de projet, de fonction, on a eu 8 projets de centre de décision. Donc, c'est-à-dire, c'est presque un projet sur 2 concerne des projets de centre de décision. 3 projets dans la production et 2 projets dans le R&D et ainsi 2 projets dans le service aux particuliers. Et ici, ça c'est aussi intéressant à remarquer, parmi les 17 projets, plus de la moitié des projets sont des projets d'extension de structures existantes. Donc, c'est-à-dire les entreprises indiennes sont très satisfaites, contentes de leur implantation en France et ils continuent de développer leur présence là-bas. Passons à la slide suivante. Donc ici, on a essayé de vous présenter quelques success stories de l'année dernière. Nous avons essayé de shortlister des success stories dans les différents secteurs. Donc le premier, commençons avec le secteur pharmaceutique, Lupin Pharma. Donc ça, c'est un laboratoire pharmaceutique indien qui développe et commercialise des médicaments de génériques ainsi que des produits de biotechnologie à destination de plus de 100 pays. Et ils ont aussi, ce groupe a une position, possède une position de leader dans le domaine de cardiovasculaire et antidiabétique. Ils ont procédé à l'acquisition l'année dernière, la société française encore active dans le secteur médicaments génériques qui s'appelle Medisol. Et cette société est basée dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et cette acquisition a été faite pour un montant de 18 millions d'euros. Intéressant à savoir qu'ils ont ainsi ouvert un bureau commercial à Paris l'année dernière. Donc, une société avec 2 présences, un dans la région Aura et le deuxième dans la région Île-de-France. Ensuite, KPIT Technologies, donc ça, c'est une société dans le secteur technologie, bien évidemment. Ils ont spécialisé dans les logiciels destinés à l'industrie automobile ainsi que l'industrie de la mobilité avec un focus sur la mobilité verte. Et cette entreprise a créé la filiale à Paris l'année dernière afin de répondre les besoins de ses clients qui sont basés en France ainsi qu'en Europe. Et Renault étant le client principal en France. Et cette implantation, ils ont déjà créé 15 emplois l'année dernière et ils envisagent à créer 50 d'emplois d'ici 2025. Donc ça, c'est un bel exemple d'une ETI
indienne. Et ensuite, on passe dans le secteur agroalimentaire. Captain Fresh, ça, c'est une société qui est distributeur dans le secteur de produits de, distributeur de produits de la mer. Et ça, c'est un secteur en hyper croissance. Ils font aussi des plateformes technologiques pour la supply chain et ils essayent de numériser toutes les activités autour de la supply chain. Et ils ont aussi fait l'acquisition l'année dernière de la société française qui s'appelle Senecrus, qui est basée à Rangis, en Île-de-France. Et ils spécialisent dans les crevettes cuites. Et cette acquisition a permis le sauvegarde de 30 emplois. Et le groupe est très content de, cette acquisition, de leur présence en France et envisage d'augmenter leur présence encore. Passons à la slide suivante. Ah oui, donc maintenant j'invite ma collègue Ludivine de présenter des opportunités de prospection dans le marché indien. Ludivine. Bonjour à tous. Alors, des opportunités de prospection, il va y en avoir quand même plusieurs. Alors, ce n'est pas véritablement pour 2025. On vous propose là un tableau pour 2024 pour essayer de constater qu'il y a encore des actions à faire, surtout pour cette année, mais on est ravis de, les avoir aussi pour 2025. À avoir en tête que pas mal de grands axes de développement en Inde sont en commun avec les axes de développement du plan France 2030, à savoir par exemple tout ce qui tourne autour de l'énergie verte et de l'hydrogène. En Inde, il y a une mission hydrogène et c'est important pour ce grand pays de renforcer en fait toutes ces technologies autour de l'hydrogène et des énergies vertes. Et donc, bien sûr qu'il y a un fort développement local, mais ce que souhaiteraient effectivement les Indiens, c'est effectivement d'acquérir certaines technologies ou de se faire la main sur des unités de production, sur des marchés peut-être un tout petit peu plus mûrs, comme chez nous en Europe et a fortiori en France, afin de pouvoir relier en fait les zones. Et ça a encore beaucoup plus de sens quand on a une perspective, un petit peu une vue hélicoptère, surtout en rebondissant sur ce que disait Anshika quelques slides auparavant, sur ce fameux corridor de commerce, donc de ce trade corridor entre, qui s'appelle l'IMEC, qui est entre l'Inde, donc le Moyen-Orient, et l'Europe, l'hydrogène sera en fait un axe aussi très 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 clé de ce trade, et notamment au niveau des ports. Et donc c'est très intéressant de voir comment on va pouvoir s'articuler nos échanges et donc nos implantations diverses dans les deux sens. Et voilà, en tout cas, ça permet en tout cas à nos Indiens de comprendre en fait comment on peut s'implanter en France pour pouvoir produire de l'hydrogène, vendre de l'hydrogène ou des produits qui utilisent l'hydrogène. Je pense aussi à d'autres choses comme le méthanol, l'éthanol, etc. Des grands thèmes, dans les grands thèmes donc, autour de la mobilité électrique. Ce seront des thèmes qui seront aussi mis en avant sur des événements localement, mais voici aussi un secteur absolument clé vers lequel les Indiens souhaitent conquérir l'Europe davantage pour monétiser et pour monétiser en fait des solutions qu'ils ont ou qu'ils peuvent avoir et accélérer leur courbe d'apprentissage également. Par exemple, pour rebondir sur pour vous donner un exemple, le groupe Mahindra
qui est assez fort quand même dans la mobilité, et a fortiori dans la mobilité électrique, était apparu dans la presse il y a encore quelques temps pour vouloir donc s'implanter aux États-Unis sur le thème de la mobilité électrique. Et en fait, quand nous avons pu rencontrer leur CEO, le docteur Anisha, il nous a dit que pas du tout, en fait, la priorité serait donnée à l'Europe et la France, en particulier, parce qu'ils pensent qu'effectivement, le marché européen est un marché beaucoup plus important et beaucoup plus mature sur ces sujets-là, avec des technologies et une appétence qui vraiment les attire. Donc, évidemment, ils sont attirés dans tout ça par potentiellement plus des acquisitions, parce que c'est plus facile a fortiori que de s'implanter en Greenfield. On a eu des projets potentiels donc de GPS d'ailleurs par exemple sur la partie hydrogène, mais ça requiert énormément de terrain, de foncier, donc c'est pas toujours intéressant pour les régions, du moins ça fait peur. Et finalement, donc ce projet est un petit peu, on va dire, il prendra un petit peu de délai pour véritablement être faisable. Mais ça n'empêche que les Indiens souhaitent essayer de comprendre comment en fait articuler des stratégies d'implantation chez nous sur ces technologies, que ce soit sur les énergies renouvelables ou bien la mobilité électrique. Donc parmi ces thèmes-là sur les programmations, en tout cas pour cette année, on vous invite à regarder nos French Clean Energy Days en Inde qui se dérouleront à Delhi, à Mumbai, avec plutôt un programme d'immersion. Donc ça peut très bien être collé avec une mission mixte où vos entreprises dans vos régions peuvent venir, mais vous, en tant qu'agence de développement et d'investissement, découvrir davantage en fait donc d'entreprises indiennes qui auraient des velléités à venir sur vos territoires sur ce sujet, et donc une mission ciblée pourrait être tout à fait envisageable. On a sur la partie mobilité les French Urban Mobility Days. Donc à Imi, alors c'est vrai que ce salon a plus lieu en fait dans une région ou dans un endroit d'une région qui s'appelle le Gujarat ce sera sur la ville de Surat, mais évidemment on ne vise pas que cette ville-là, on vise aussi d'accueillir pour nos collègues export des délégations françaises sur un peu partout dans d'autres villes donc intéressantes sur ce sujet, Bangalore, Mumbai, Delhi et bien d'autres. Évidemment, quand on parle de e-batterie, il y a quand même pas mal de possibilités et d'entreprises indiennes qui aimeraient mieux connaître vos territoires pour savoir comment se positionner sur leurs ambitions en fait d'expansion en Europe, surtout si elles doivent s'implanter. Donc, quels sont les clusters, quels sont les avantages de votre écosystème, qui est déjà là, entreprises étrangères, mais entreprises françaises aussi. C'est intéressant de venir aussi à cette occasion-là. Ce sera donc au second semestre, en octobre. J'y ai placé là, mais je reviendrai ça plus tard. Si on peut juste passer sur la slide suivante, je vous expliquerai d'autres secteurs qui sont aussi très très intéressants pour l'Inde comme pour la France, comme l'aéronautique et le spatial. On a eu pas mal de détections de projets l'année dernière sur ces secteurs-là, ça continue. Beaucoup encore une fois sur des idées plutôt d'acquisition, mais pas que.
ou ça peut être du brownfield, c'est-à-dire donc de rachat de sites en difficulté. On a eu, par exemple, donc, le cas avec, avec Motherson. C'est généralement quand même des Indiens qui se voient en fait dans une situation où ils sont limités pour grandir avec les grands donneurs d'ordre de type Safran, Airbus. Donc évidemment, ils travaillent souvent ensemble déjà sur le sol indien, mais pour participer au programme, à d'autres programmes en fait, qui pourraient être intéressants pour eux, ils comprennent qu'il faut venir s'implanter en France sur leur campus ou sur, dans leur cluster, et donc ils sont à l'affût de bonnes opportunités. C'est intéressant de lier ça, par exemple, à une mission GIFAS qui aura lieu en octobre. Et là, il y a quand même aussi beaucoup de B2B à faire. J'invite les régions à considérer, surtout quand elles sont positionnées sur l'aéronautique et le spatial, à venir en Inde à la rencontre des entreprises indiennes pour aussi mettre en avant vos points forts sur ces sujets. C'est vrai que on est tellement connu en France sur certains sites que la publicité se ferait par elle-même, mais c'est dommage de le voir comme ça parce que au final en fait on rate quand même d'autres opportunités avec d'autres entreprises indiennes qui se posent la question mais qui préfèrent autant en fait une rencontre face à face et vous venir les voir pour leur expliquer en fait pourquoi il faut venir, et ça c'est vraiment vraiment très important. Je ferai aussi un dernier coup de projecteur sur l'activité santé, donc un secteur qui est clé pour nos deux pays, également aussi une chose en commun avec le plan France 2030. Énormément d'opportunités là-dedans. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, donc Eric l'avait bien dit, donc l'Inde, back office de production donc du générique donc dans le monde, certes, mais aujourd'hui, beaucoup de grandes pharma indiennes cherchent à aller vers la formulation. Et ça, en fait, elles le font beaucoup moins en fait en Inde et beaucoup plus en grimpant dans la chaîne de valeur, en faisant des acquisitions à l'étranger. Et en France, ces derniers temps, il y a eu quand même un momentum là-dessus et ça continue. Donc c'est intéressant. On aura bientôt un COSP pour vous donner un peu un petit heads up sur une grosse pharma également qui cherche à s'implanter en France. Au carrefour entre l'acquisition et le greenfield, puisque ce sera plutôt sur une idée de partenariat en JV où ils sont prêts à mettre 160 millions d'euros sur le tapis avec 200 emplois à la clé. Donc ce n'est pas rien, ça montre bien qu'il y a vraiment beaucoup de plus en plus d'acteurs dans le secteur santé qui cherchent à venir s'implanter en France et qui voient la France en fait comme vraiment en fait un territoire important sur ce secteur pour aller conquérir l'Europe. Et c'est pas que le médicament, c'est aussi tout ce qui est biotech, medtech, medtourism, les consommables, etc. Et donc, dans ce cadre-là, nous, on fait un French Healthcare Day qui prendra place en fait à Delhi, Mumbai, Bangalore. Là aussi, c'est une belle programmation où on peut très bien avoir un de vos territoires ou même deux qui viennent et qui ont envie de pitcher et surtout faire du B2B en visant à mettre en avant leur cluster. Et on sera ravis de faire des introductions comme il le faut. On a évidemment la tech.
La tech à Bangalore, mais la tech, ce n'est pas que à Bangalore d'ailleurs, c'est aussi à Mumbai, c'est aussi à Delhi. Mais c'est vrai que Bangalore reste encore en fait une capitale de la tech. On aura quand même un roadshow et un séminaire là-dessus en novembre. Et finalement, pas très loin de notre programmation un petit peu spéciale à l'Invest, qui est notre Investors Day, ce qui était affiché dans la slide précédente. Voilà, super, on est synchro. Et donc là, l'Investors Day, nous, on aime bien le faire, en fait, la première semaine de décembre. C'est un événement qui a vraiment eu du succès sur ces dernières années, où on a pu faire venir une ou deux régions pour pitcher, où on a un programme de conférences sur 1h30, 2h maximum de qualité. Et c'est pour ça que les gens viennent, en fait, les entreprises indiennes viennent. Et parmi les entreprises indiennes, ce sont surtout des C-level et des décideurs, parterres de PME, mais aussi des grandes entreprises. Ils viennent pour nous écouter, pour ensuite faire du networking. Et puis, parfois, pour participer aussi au panel de discussion. Donc, c'est un événement assez intéressant. On le fait avec de très beaux partenariats, que ce soit des grands cabinets d'avocats d'affaires, des banques, comme ça a été le cas avec Kotak Mahindra Bank également en 2022, l'année dernière avec un très beau cabinet d'avocats qui a un desk France aussi, qui est Ketan & Co. Nous avons généralement entre 80, 90, voire 100 participants dans la salle. Donc, c'est une vraie aubaine pour du networking. Généralement, les régions qui viennent et qui aiment bien participer et sponsoriser ce genre d'événement, elles viennent avec l'idée de faire une mission ciblée de façon complémentaire pour justement passer du temps efficace en Inde. Voilà, donc pour la programmation, donc surtout venez. On peut passer aux slides suivantes. Et donc, forcément, quand vous venez avec zéro cliché, une tête neuve pour ceux qui ne sont pas encore venus. Dans les clichés, j'aurai un clin d'œil pour ceux qui ont encore en tête que les Indiens viennent s'installer chez nous, mais c'est pour faire de la production en Inde. Effectivement, c'est tout naturel en phase 1. Heureusement, il y en a beaucoup qui sont déjà plus qu'à la phase 1, ils sont en phase 2, c'est-à-dire qu'ils continuent de grandir chez nous. Et ce qui est quand même formidable chez nos entreprises indiennes qui viennent investir en France ou ailleurs, mais en France en particulier, c'est que quand elles viennent, par exemple, acquérir un site en difficulté et qu'elles remettent vraiment... à l'eau, dans la bonne trajectoire, où ça allait déjà très bien, mais surtout où elles poussent les murs, ils embauchent. Ils n'embauchent pas que du profil indien en Inde pour continuer de grossir en France. C'est des gens qui ont vocation vraiment en fait à grossir partout et donc qui sont là pour investir pour le long terme. À nous aussi d'avoir une stratégie de long terme quand on considère l'Inde, en termes de prospection et de promotion. L'Inde, il faut comprendre que c'est un pays, il n'y a rien d'automatique. Comme ils ne nous connaissent pas encore très très bien, il faut comprendre qu'il faut avoir des fois 2 ans, 3 ans avant qu'un projet véritablement se mette en place. Par contre, évidemment, quand la décision est prise, c'est des gens qui sont en forte demande d'informations, de support et évidemment à ce qu'on les accompagne pas à pas. Donc, ils nous demandent quand même d'avoir une grande réactivité. On a
On a des investisseurs potentiels qui ont fait l'objet de COSP, qui malheureusement n'ont pas été répondus toujours par les régions. Ils nous relancent là-dessus parce qu'ils sont vraiment, ils ont vraiment la tête à vraiment investir en France. Donc, vraiment considérer la plupart d'entre eux. Et parfois, un petit conseil, certains viennent avec une idée pour investir sur un site, sur une façon donc de produire, mais ils sont ouverts en fait aux alternatives. Donc, si vous venez en disant, écoutez, en fait, votre secteur nous intéresse, votre positionnement nous intéresse, mais la façon en fait de venir chez nous, ce serait, c'est pas celle qui a été vraiment explicitée, mais on pourrait vous proposer des alternatives pour venir chez nous. Donc, ce serait plutôt aussi de le voir comme ça. Certains viennent avec une idée acquisition, transformez-les en disant ben, que certes, parfois les acquisitions, c'est long à se mettre en place, c'est pas facile de trouver des cibles et que venir s'implanter en Greenfield, ça peut être une idée et avec des use cases pour leur montrer qu'effectivement, le ratio temps investissement est aussi bon en Greenfield qu'en acquisition. Donc, il faut vraiment être force de proposition, avoir un suivi régulier, coordonné avec nous également, puisqu'on a quand même régulièrement ces gens donc, au téléphone où on les rencontre. Ne pas hésiter. Hein, et ils sont très attachés donc, à tout ce qui est relations interpersonnelles. Ils ne nous oublient pas quand ils nous connaissent. Donc, faites-vous connaître. C'est vraiment le mot là-dessus, l'idée. C'est clair que si vous faites une mission en one shot, mais que vous ne faites pas de suivi derrière, ben, en fait, tout ce travail sera tombé à l'eau. C'est dommage parce que on a de superbes régions en France avec des points forts partout, mais il faut être beaucoup plus sous le radar dans ces cas-là de nos Indiens. Donc, de la même façon que quand on pense à l'Inde, on pense comme que c'est un immense marché et que il faut, on peut avoir la même chose à Delhi ou à Mumbai ou à Bangalore, et en fait, ce n'est pas vrai. Quand il faut venir souvent, ou il faut venir en fait régulièrement chaque année pour découvrir de nouveaux endroits avec de nouveaux secteurs ou nouvelles représentations de sociétés indiennes un petit peu partout sur le territoire. Et venir à eux, en fait, ils sont très, très sensibles à ça. Ils trouvent que c'est super. Et donc, ils auront à cœur de faire ce suivi. Il y a de plus en plus d'Indiens qui sont intéressés à la France. Il faut battre le fer quand il est chaud. Voilà. Et c'est tout. Et maintenant, ben, place aux questions. Donc, si vous en avez, j'espère que vous en avez. Nous espérons que vous en avez tous. Et on sera ravis avec Anshika et Eric de pouvoir y répondre. N'hésitez pas à lever la main. Hein. Bon, mais merci beaucoup pour ce panorama et ces opportunités. En effet, Choose Paris Région a décidé d'ouvrir un bureau. Peut-être que du coup, Axel peut dire un petit bonjour si vous ne connaissez pas très bien déjà. Bonjour à tous, enchanté. Merci pour la présentation. Je vous appelle de Bon, Axel, c'est encore tout frais, donc on ne peut pas dire s'il va s'engager sur l'une de ces opportunités que vous avez montrées, mais je pense que c'est vraiment intéressant pour nous et pour lui. Merci Thomas et bienvenue à Axel.
Donc, on vous a peut-être assommé avec trop d'informations, là. Mais l'idée, c'est peut-être aussi de, même si vous êtes quelque part un peu concurrent entre vous, vous êtes quand même nos partenaires en région, peut-être avoir un petit, si ce n'est pas un commentaire sur ce qu'on vient de dire, peut-être sur les quatre régions qui sont là. Ou métropole, un petit commentaire sur votre prospection Inde et ce que vous avez envie de peut-être de faire avec nous cette année. Comme on l'a dit, on refera un Investors Days à Mumbai au mois de décembre. Donc, traditionnellement, nos deux partenaires sont North France Invest et Provence Promotion. Voilà, on est ouvert à toutes les régions françaises, bien évidemment. On a même eu la réunion. La première année où j'y suis arrivé en Inde, je crois qu'en 2020, on avait la région Réunion aussi, qui s'était jointe à l'exercice. Voilà, toutes les régions sont les bienvenues. Ça peut se faire en virtuel, ça peut aussi se faire avec le port. Je pense que c'était la bonne idée des deux régions nord et sud de venir avec le port. Le port, c'est, enfin, pour les régions côtières, le port, c'est vraiment Oarupa. Pour Paris, le Havre, ça parle aux Indiens et ça nous permet d'accéder à un public, à des fédérations d'exportateurs. On vient de le refaire le mois dernier avec le port de Marseille, ça a très bien marché. Et souvent d'ailleurs, dans les installations en France, il y a beaucoup de logistique et du coup, des gros exportateurs peuvent être intéressés par des implantations logistiques en France. On a eu le cas dans plusieurs régions. Voilà, donc on a cet événement. On peut faire un événement ad hoc pour une région française. Le déplacement d'une présidente de région, c'est encore mieux. Ou d'un patron d'agence régionale aussi. Voilà, on fait du sur-mesure. Et comme l'a dit Ludivine, c'est pas complètement idiot de venir à l'occasion d'un événement export aussi. Donc il y aura effectivement la grosse mission JFAS. Qui sera axé, on attend entre 60 et 70 entreprises françaises. Ce sera le président d'Airbus qui sera le chef de délégation. Donc, c'est au mois d'octobre. Et ça sera aéronautique, spatiale et défense. Donc, il faut être membre du JFAS pour y participer. Mais traîner en Inde la même semaine sur une mission ciblée BF, voilà, on peut vous faire des séquences communes avec cette grande mission JFAS qui permettra de voir les plus gros interlocuteurs indiens dans le domaine aéronautique, espace et défense, ou dans le spatial, on a des implantations en France, en Île-de-France, je crois, de certaines startups indiennes, aéronautiques bien évidemment, sur l'Occitanie, le Sud et l'Île-de-France aussi. Voilà, sinon on aura une opération dans le domaine de la santé au mois de septembre. Voilà, ça peut être aussi, encore une fois, la santé est très dynamique dans les investissements en France aujourd'hui. Donc ça peut être une mission ciblée sur un secteur en particulier, voilà, qui permet de venir à l'occasion d'un événement et puis d'essayer de voir d'autres secteurs également. Voilà un peu dans la programmation. Peut-être après Paris, la région parisienne, Lyon. C'est peut-être un mot sur. C'est vrai que Lyon et Aura, d'une manière générale, on ne vous voit pas beaucoup en Inde. Et ce que je dis souvent à l'ambassadeur et à la présidente de la Chambre de commerce à Paris, c'est que ça manque aussi d'événements indiens à Lyon. Il y a beaucoup de choses qui se passent à Paris, un peu à Marseille. Dans le cadre de la foire de Marseille, là, ils attirent pas mal d'Indiens. Et pour avoir vécu dans d'autres destinations où on était très actif avec Lyon, je pense que vous avez des investissements indiens déjà dans votre région, de beaux investissements du reste. Je pense que c'est une région qui gagnerait, enfin une région et la métropole, à être peut-être un peu plus mobilisée sur. Je connais pas la diaspora indienne à Lyon. Elle doit pas être très nombreuse, mais voilà, enfin, sachez qu'on serait ravis, et moi-même, je serais ravi de venir à Lyon s'il le faut.
Oui, c'est vrai que alors je me permets de prendre la parole, Armelle Gros pour la métropole de Lyon. C'est vrai qu'avec l'Inde, on a très peu de projets et que pour l'instant, c'est un peu de l'inconnu. Mais justement, on aimerait un peu se pencher, voilà, réfléchir sur les opportunités qu'il pourrait y avoir en Inde. Donc, on est, je pense, au début de la réflexion. Mais on va, voilà, en tout cas, on va étudier, voir quelles sont les possibilités. Moi, j'avais une question par rapport. Donc, j'ai bien noté que les Indiens préférait l'acquisition de sociétés comme mode d'implantation. Est-ce que, alors, j'ai vu, Ludivine, tu disais que c'était une entreprise saine ou des entreprises en difficulté. Les deux peuvent les intéresser. Je voulais que tu confirmes un peu ça. Complètement, oui. Oui, les deux peuvent être intéressants. On a en fait, autant on a des Indiens qui nous disent non, non, pas d'entreprise en difficulté parce que c'est vraiment une première généralement pour eux dans l'implantation internationale et donc c'est quand même un sujet sensible dans ces cas-là. Par contre, on a des Indiens qui ont, c'est pas assez, enfin, qui sont implantés de façon internationale, de façon beaucoup plus large, et qui ont un savoir-faire dans reprendre des sites en difficulté. Donc, ou qui sont en panne de croissance et qu'une injection permettrait effectivement plus l'apport de leur territoire, c'est-à-dire un territoire indien, mais des fois sur d'autres marchés potentiels, pourrait en fait donner en fait un ballon d'oxygène à ces sociétés françaises. On D'accord. a deux gros exemples à Lyon qu'on cite souvent. Donc, il y a la société Adetel qui avait été rachetée par Santum de Bangalore dans l'électronique de défense, l'électronique aéronautique. C'est quand même 450 emplois, c'est un beau site industriel qu'ils ont réussi à redresser. Aujourd'hui, ils envisagent de s'implanter dans d'autres villes françaises auprès de personnes comme Airbus, à Marignane, ou des implantations comme ça. Donc, à partir d'une acquisition d'une entreprise en difficulté, bah, non seulement ils ont maintenu l'emploi, ils ont redressé l'activité en lui donnant un ballon d'oxygène, justement sur de l'export vers l'Inde, vers la société mère, et en plus, ils prévoient d'essayer un peu de se développer dans d'autres villes françaises. L'autre bel exemple que vous avez chez vous, c'est Aurobindo, qui avait racheté les laboratoires Arrow. Et après l'acquisition, peu de temps après, ils ont fait un gros investissement, je crois que c'était de 20-25 millions d'euros en métropole lyonnaise pour des bâtiments, pour un centre de logistique du médicament chez eux. Donc ça aussi, le fait d'acquérir, bon, c'est pas notre métier principal, hein, de proposer. Comme vous savez, nous on propose que des boîtes en faillite, hein, et en général au dernier stage de la possibilité de reprise, c'est-à-dire avec des délais très courts, et c'est extrêmement difficile de trouver des repreneurs dans ces conditions-là. Mais là, on a quelques dossiers d'entreprises françaises qui cherchent des investisseurs indiens, et pour des raisons très claires par rapport à leur stratégie sur ce marché. Donc ça, on sait faire. Elles sont en difficulté, mais elles ne sont pas en redressement judiciaire. Donc c'est beaucoup plus facile pour nous d'intervenir à ce stade-là. Voilà. Et ce que je veux dire, c'est qu'une acquisition peut aussi permettre après de se développer sur le territoire français, et pas uniquement dans la région où l'acquisition se fait. Tout à fait. On a eu le cas avec UPL, par exemple, qui a 7 sites aujourd'hui et qui a régulièrement poussé les murs en fait en France, donc à partir d'une acquisition internationale et ils ont eu d'autres opportunités. Nous, on a l'entreprise Cotel, en fait, qui fabrique de la Javel, qui est une filiale de Colgate, qui est basée, qui a un beau site de production vraiment dans la banlieue lyonnaise et qui cherche activement des repreneurs. Donc moi, je suis passée par Joël Archimède de Business France Paris, voilà, qui normalement donc va regarder un peu dans tous les projets d'investissement de tous les bureaux de BF s'il pourrait y avoir une opportunité. Les Indiens, on est un peu frustrés parce que quand on voit des grands groupes indiens, quand on les reçoit à l'ambassade avec l'ambassadeur, ils sont souvent à la recherche d'opportunités de ce type-là. Et on n'en a pas assez à présenter. Encore une fois, ce n'est pas notre rôle principal, mais si vous pouvez en faire remonter par Joël au siège de Business France à Paris, qui travaille avec la DGE, hein, pour voir, parce qu'on ne peut pas non plus tout proposer à des Indiens, il y a quand même des secteurs qui sont un peu sensibles.
Donc, on fait attention aussi à ça, mais si c'est validé après par nos tutelles, on peut aider l'entreprise. C'est une prestation payante pour l'entreprise. Elle n'est pas payante quand elle est en redressement judiciaire. C'est une intervention gratuite, ça fait partie de nos missions de service public. Mais si c'est une recherche d'investisseurs sur une boîte qui est encore, je dirais, saine ou moitié saine, c'est payant. Je crois qu'on avait la Bourgogne-Franche-Comté. Elle est encore là? Non. Et il y avait une quatrième. Il n'y avait pas une autre région dans notre territoire? Normandie, je pense, je ne sais pas, et après la détail encore. Il y a un Rising Sud, non, je crois qui Oui, était il là y a la aussi. Normandie aussi. Bonjour à La tous. Normandie. Bonjour. Ah. Oui. Non, pas Bonjour, ça va? Oui, donc là, on est toujours là. Bon, la Normandie, on a eu le plaisir de recevoir le maire du Havre Oui. avec le port Haropa, c'était l'an dernier au mois d'avril. Oui. Édouard Philippe, donc, il a fait une très belle mission, ce que je disais tout à l'heure, de promotion du port Oui. à Mumbai et à Delhi. Et ça marche plutôt bien. Voilà, et on sera ravis de recevoir la région Normandie cette année. Voilà. Attendez, je suis en train, j'essaie de mettre mon caméra parce que c'est un peu. Là, vous me voyez ou pas? Oui. Alors oui. Alors donc, nous, on a que moi, j'avais fait combien? Au moins deux, trois missions en Chica, en Inde. Trois missions. Trois missions. Donc là, avant le Covid, hein, donc on n'a pas. Donc là, juste pour l'anecdote, je suis rentrée en fait la veille de la fermeture de frontières en Inde. Donc c'était un peu voilà. Et puis oui, effectivement. Donc moi, j'avais fait des missions. Donc là, très beaucoup sous le secteur agroalimentaire. À l'époque, c'était un secteur qui présentait des belles opportunités, mais et là, j'ai bien noté que maintenant, c'est beaucoup plus, enfin, ça a bougé un petit peu, c'est le secteur de santé, médicaments, etc. Et puis, effectivement, ça, c'est des secteurs, on n'a pas encore, enfin, en tout cas, la région Normandie n'a pas encore prospecté. Et puis, en ce qui concerne l'offre portuaire, effectivement, donc, la Haropa est quand même assez active, hein, donc, pour faire les missions de promotion, là, c'est dont vous parliez tout à l'heure, Monsieur Fajol. Donc, là, ils font un petit peu, enfin, moi je veux dire, j'ai l'envie de dire un peu en parallèle, on va dire ça comme ça. Mais oui, effectivement, c'est un secteur qui est très, 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 enfin, un secteur là, l'offre logistique est quand même très intéressante. Nous, on est en train de, au niveau de notre planification, on est en train de réfléchir à notre programmation 2025. Et voilà. On va après il faut vraiment faire enfin allouer un peu les ressources. On n'est pas une très grosse équipe, donc il y a cette petite contrainte, mais donc voilà, on est en train de réfléchir à tout ça quoi. Et j'avais juste une question à vous poser. Là, le calendrier que vous aviez présenté là tout à l'heure, il y avait, alors attends que je regarde, en fait, là, vous n'avez pas les dates. Sous où il y a les opportunités, la diapo sur l'opportunité de prospection, moi, je vois Non, qu'une on date. va vous repréciser peut-être les dates à la fois sur la santé en Voilà. septembre, sur D'accord. l'aéronautique spatiale défense en octobre et sur les Investors Days au mois Décembre. de la première Mois de semaine de décembre. décembre. Il y Merci. aura aussi un grand forum, ça peut être une opportunité, même si ça va être quand même du franco-français, il y aura un grand forum des CCEF, des conseillers du commerce extérieur, à Delhi, fin novembre. Ils attendent plus de 600 personnes. Ils avaient fait ça au Vietnam l'an dernier. Voilà, là aussi, ça peut être une occasion de venir, mais c'est C'est 3 jours à Delhi. de novembre 2024.
2024. Oui, là, je parle que de Tout à fait. du Oui. deuxième Et semestre. en fait, donc là, du coup, la slide que tu avais présentée, Ludivine, c'était en 2024. En fait, en 2024. Ah oui, 2024, ok. parce que nous, on n'a pas encore du tout notre On n'a pas fait programmation notre programmation 2025. 2025. On commence Ok, à ok. peine Donc, l'exercice. d'accord. Non, mais là, à ce moment-là, il va falloir corriger la slide. Parce que c'était marqué opportunité 2025. Ok, j'ai plus ça en tête, Voilà. mais on va modifier. En tout Oui, cas, on a oui, vous oui. Non, mais précisé c'était déjà pour les ça, dates oui, c'était pour ça, je me pour la suis. rentrée 2024. Oui, Hein, dès qu'on ok. a notre programmation, on la fait en général, on la finalise en juillet pour l'année d'après. Hein, donc voilà, on pourra vous D'accord, refaire ok. passer aussi ça pour la. Et encore une fois, venir à l'occasion d'une mission export, ce n'est pas inintéressant. Oui, donc là, nous avons effectivement, l'agence, on a une cellule export, mais bon, au niveau de l'agence, on est quand même plus concentré sur tout ce qui est invest. Donc, écoutez, je vais en parler et puis de toute façon là maintenant Business France commence les préparations vont moto. Hein, donc là nous non plus nous n'avons pas beaucoup de vision sur comment ça va se passer l'année prochaine. Mais bon voilà. Ok, Et pour merci. 2024, Toujours est-ce que votre ça s'est déjà fermé, le budget pour 2024, ou il y a encore des opportunités possibles pour vous de monter une mission cette année? je sais pas, il faut que je sais pour ça, je te demandais, en fait, je vous demandais les dates. Alors maintenant, est-ce que là, dans le slide, il y avait un truc sur santé ou pas? Oui, santé Oui, en tout à fait. Ah septembre. oui, le French Care Days. Donc, c'est ça, en Oui. fait. Donc, là, ce que vous avez mis, French Health Care Days. Et donc, voilà. En fait, nous, on est vraiment en train de voir ce qu'on peut faire sur le secteur de santé, médicaments, enfin, santé en sens large. Hein. Oui, donc là, communiquez-nous les dates. Et puis, en fonction de nos possibilités, on peut toujours. Enfin, au moins assister à une conférence, ça ne demande pas énormément de préparation, ni de votre part, ni de notre. Donc, voilà. J'en profite là, la collègue d'Aparajita, Delphine Ah, bon, Christian. oui, Donc salut. voilà, j'ai assisté aussi. On revoit un peu nos missions en interne. Et moi, je suis positionnée sur le domaine de la santé biotech. Et voilà, bon, c'est nouveau, on va creuser tout ça. Mais j'ai moins d'expérience qu'elle sur Invest. Hein. Voilà. Mais on a Oui. suivi, on a regardé, puis on verra. Oui, Merci. et effectivement, donc c'est ça que je voulais ajouter. Donc, bon, j'ai vu que tu étais dans le webinaire Delphine. Donc, avec Delphine, elle est spécialisée sur le secteur de voix, comme elle dit, hein, santé biotech et tout ça. Donc, ça, c'est quelque chose qui nous intéresse énormément. Donc, on va regarder, on va examiner tout ça, enfin, étudier, pas examiner, étudier tout ça de plus près. Voilà. Très bien. Est-ce qu'on a fait le tour des terres? J'ai vu qu'il y avait Mayotte et il me semble qu'il y a un autre territoire aussi sur le col. Je ne sais pas si vous voulez vous exprimer également. Non. Oui, Parfait. non, je voulais juste dire merci beaucoup pour l'intervention, c'était très instructif. Je ne sais pas si vous m'entendez. Si, si, Oui. parfaitement. Ok. Donc, moi, c'est Ania Issoufou, référente Invest, du coup, c'est la DIM, du coup, ce n'est pas Business France, c'est l'agence de développement et d'innovation de Mayotte, donc c'est l'ARD de Mayotte, qui s'occupe du coup de déployer les actions de Business France localement. Et donc, on assiste au webinaire. De façon un peu irrégulière avec les décalages horaires des fois, mais on essaye de regarder un peu tout ce qui se passe et c'est très instructif. Merci pour la zone 1. Effectivement, c'est une zone qui nous intéresse particulièrement aussi, puisqu'on a des fonds européens qui nous permettent aussi de déployer des actions et des collaborations en relation avec toute la zone océan Indien. Et donc voilà, pour des futurs projets, on prend bien en compte du coup tout ce que vous venez de dire. Ok, bah nous on serait, il me semble qu'on a commencé un peu à travailler avec Mayotte, hein, il me semble sous le Oui. contrôle de collègues parisiens, effectivement sur des financements outre-mer. Je vois qu'il y a la Réunion aussi, il y a Nexa, le nouvel ambassadeur ici, comme son prédécesseur, veulent renforcer un peu la relation entre la région de la Réunion et l'Inde pour profiter de la diaspora
indienne, qui est souvent un atout pour établir des liens entre les deux pays. Donc là aussi, voilà, on a, moi j'étais venu à la réunion avec le président de la République, c'était en 2019 quand on avait fait le Choose la réunion. On avait une très belle délégation indienne. Voilà, il y a eu quelques amorces de projets, mais voilà, c'est aussi un territoire qu'on regarde dans cette partie du monde pour ses liens avec l'Inde. Voilà, et on sera ravis de vous accueillir ici si vous voulez explorer un peu plus les opportunités indiennes. Voilà. Oui, effectivement. Bonjour, merci de cette proposition. Pour l'instant, Nexa, on était en restructuration. On est encore en construction de notre programme 2024-2026. On était donc sur la mission attractivité. On a changé de présidence en fin d'année 2023 et on a une nouvelle mission du coup qui est la mission internationalisation avec la Team France Export. Donc, on va être maintenant sur les deux volets invest-export, ce qui est beaucoup plus logique. Donc, voilà, on doit structurer le service. Pour l'instant, voilà, moi, j'assiste au webinaire, je regarde ce qui se passe, je prends les marques et dès qu'on sera prêt, j'espère très bientôt, voilà, on pourra intervenir avec vous. OK, parfait. Bah, super, on sera ravis, encore une fois. Vous êtes, on cherche à mobiliser un peu plus la région sur la destination indienne. De mon point de vue, ça fait 4 ans que je suis en Inde, les demandes qu'on reçoit régulièrement des réunionnais, c'est plutôt pour faire du sourcing en Inde. Et ça, chez Business France, on ne traite pas le sourcing. Donc, on renvoie plutôt sur la chambre de commerce. Je pense qu'il y a d'autres opportunités que pour les entreprises réunionnaises, à la fois sur l'export, et on va essayer de faire quelque chose sur le rhum. Là, on a peut-être avec Pondichéry, je pense qu'il y a quelque chose qui se trame. On fait de l'attractivité pure et dure, mais on peut aussi aller sur des choses un peu plus liées à la gastronomie ou au tourisme, voilà, parce que tout ça marche ensemble aussi. Bien sûr. Effectivement, pour l'instant, on a beaucoup d'entreprises qui font du sourcing en Inde et c'est plutôt porté par la CCIR. Pour la partie invest, on est un peu dans l'attente. Il y a la région Réunion qui a lancé une étude justement pour réécrire la stratégie réunionnaise invest, l'attractivité. Donc, on attend cela de près. Et sur la partie export, oui, il y aurait des choses à faire dans la partie rhum et gastronomie, effectivement. OK. Donc, on est en lien avec Kevin, qui est notre correspondant Business France sur place, sur ces sujets d'export. Tout à fait. OK, parfait. Je crois qu'on a oublié personne parmi les territoires. Et du coup, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut terminer le call. Donc, Anchika et Ludivine sont vraiment à votre disposition. Moi, je viens faire une tournée avec notre chef de pôle Industrie Clean Tech, là, qui est basée à Bangalore. On fait une tournée des régions françaises la première quinzaine de juin. Donc, on va dans le Grand Est, on va dans la région centre, on va dans le sud. J'oublie certainement d'autres territoires. Enfin, c'est une grande tournée de la Team France Export. Donc, c'est vraiment dédié à export, mais on peut aussi passer vous voir et vous rencontrer à cette occasion pour traiter un peu l'invest aussi. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci à tous. Jean-Louis, tu veux conclure ou... Oh ben non, c'est bien, bon. C'était parfait. Okay. Bien complet, merci à vous. Parfait. J'arrête l'enregistrement du coup. Merci, bonne journée. Merci. Bonne journée, au revoir. Merci, bonne journée. Merci beaucoup, au revoir.